Bonjour et bienvenue à tous au sein de La Nature en Images, chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Et au sein de cette vidéo, comme je vous l'ai énoncé en introduction, nous allons aborder la filtration en photographie, épisode numéro 2, le filtre GND ou dégradé neutre. Bienvenue à vous au sein de cet épisode numéro 2 dédié à la filtration en vidéo. Je vous explique au cours de cette mini-série les filtres et leurs différents rôles qu'ils peuvent apporter pour vos photographies et notamment dans l'appréciation de scènes photographiques particulières. Comme je vous l'ai énoncé dans l'épisode 1, vous ne pourrez avoir certains rendus photographiques qu'avec l'usage de certains filtres et qu'au travers de certains filtres dans vos photographies. Au sein de cet épisode numéro 2, nous allons donc voir le GND, ou le filtre dégradé neutre. En anglais, Gradual Neutral Density. J'ai fait les progrès en anglais quand même. Hein. C'est un filtre qui est un petit peu particulier, puisque de toute manière, vous n'allez quasiment jamais le trouver en filtre circulaire. Vous allez tout le temps le trouver sous forme carrée ou sous forme rectangulaire. Ces filtres ont la particularité d'être transparents sur une bonne moitié de leur superficie et ils vont se densifier de manière graduelle, d'où leur nom, sur la seconde moitié de leur superficie. Alors vous allez trouver dans ces filtres plusieurs degrés de densité. Donc vous allez partir avec le premier de ces filtres qui est le soft, ensuite vous avez le medium et ensuite le hard. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce filtre a la particularité, donc pour une moitié d'être complètement transparent et pour l'autre moitié de se densifier. Eh bien, la dénomination soft, medium, hard, et en fait, cette dénomination soft, medium, hard va faire que le dégradé à partir de la moitié du filtre jusqu'au haut du filtre va se densifier de manière plus ou moins prononcée. Si vous prenez un filtre soft comme moi je possède, vous allez voir que le dégradé est vraiment, comme son nom l'indique, très doux, très délicat et qu'il part dans une densité importante au fur et à mesure que la densité monte et s'intensifie. Si vous prenez un médium, cette transition va être un petit peu plus dure. Si vous prenez un hard, cette transition va être vraiment brute puisqu'il va s'agir une moitié translucide et l'autre moitié qui va être de manière densifiée en fonction de l'importance de la densification que vous avez choisi. Tout comme les filtres ND, la densification d'un GND se dénomine de la même façon. Vous allez parler en stop. C'est-à-dire que pour un GND 3 stops, eh bien, la densité maximale du filtre en haut du filtre sera de 3 stops. Si c'est un 5 stops, elle sera de 5 stops, etc. etc. La grosse particularité, que ce soit des filtres ND, des filtres GND, comme je l'ai dit en premier épisode, c'est que vous allez pouvoir additionner ces valeurs de stop. Si vous mettez en premier lieu un ND 5 stops plus un GND 3 stops, eh bien sur, on va dire, une grosse moitié de votre photographie, vous aurez du 5 stops et ensuite vous allez densifier la valeur de stop jusqu'à 8 stops en haut du filtre. Ces valeurs de stop, comme vous venez de le comprendre, elles s'additionnent tout comme les filtres ND. Et c'est un très gros avantage pour nous puisque nous allons chercher dans 75% du temps à densifier le ciel de manière à atténuer la lumière qui va venir frapper le capteur pour pouvoir avoir une plage dynamique qui n'est pas trop importante sur notre photographie et pouvoir venir déboucher les ombres et atténuer ces hautes lumières et ainsi faire en sorte que les ombres soient potentiellement à la même exposition que les hautes lumières. Alors attention, j'attire votre attention sur le fait que ici nous ne parlons absolument pas de photographie HDR. C'est un procédé photographique
qui n'a rien à voir avec la filtration. Je ferai très certainement une vidéo dédiée au HDR dans un futur proche, puisque vous êtes quelques-uns à commencer à me parler du HDR et de me demander un petit peu les tenants, les aboutissants et surtout comment faire pour avoir du HDR. Nous y reviendrons. Mais là, la filtration n'est aucunement une de la photographie HDR. C'est simplement, comme je viens de vous l'expliquer, de déboucher les ombres pour atténuer les hautes lumières et ainsi avoir une balance d'exposition un petit peu plus neutre au résultat final. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai dans mes mains un GND 3 stop. J'ai ensuite, en autre exemple, un GND 5 stop dont je vous montrerai tout à l'heure l'efficacité sur le terrain. Comme vous pouvez le constater par rapport à ce que je viens de vous expliquer, j'ai donc bien ici une partie translucide et une partie un peu plus densifiée de manière à atténuer la lumière qui va traverser cette partie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, grosso modo, la densification du filtre était pour neutre de moitié et se densifier sur la seconde moitié. Ici, nous pouvons voir que ce n'est pas vraiment vrai, puisque nous avons un tiers qui est à peu près neutre, un second tiers qui va se densifier progressivement et un deuxième tiers qui va être beaucoup plus dense au niveau de la filtration. Maintenant, je vais mettre côte à côte le 3 stop et le 5 stop pour vous montrer un petit peu la différence si vous arrivez à la distinguer. Mais comme d'habitude, je vous mets des photos pour vous illustrer mes propos. Dans ma main droite, j'ai donc un GND 3 stop et dans ma main gauche, j'ai donc un GND 5 stop. Alors peut-être que vous ne voyez pas trop de différence entre les deux, c'est vrai, puisqu'il n'y a que deux stops d'écart entre les deux. Mais vous allez voir, quand je vais mettre ces deux filtres devant l'objectif, la différence va être flagrante et vous allez voir un petit peu le résultat de ces deux filtres sur la vidéo. Donc pour commencer, je vais donc appliquer le 3 stop devant l'objectif et vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement de ce filtre. Donc je pars du haut, je fais descendre mon filtre, vous voyez le bord, et voilà, je descends. Et là, je commence à rentrer dans l'atténuation de la lumière, vous voyez. Voilà. Et maintenant, si je mets sur le côté, je me remets de manière neutre. Voilà. Et je descends. Voilà, là j'attaque la filtration. Voilà. Donc là, c'était le 3 stop. Maintenant, je vais mettre le 5 stop. Pareil. Même valeur ISO, donc même valeur d'exposition, et là je descends. Voilà le bord du filtre, et je descends. Vous voyez ? Là la différence entre le 3 stop et le 5 stop commence un petit peu à se faire sentir, le bord du filtre. Voilà. Et là à présent, je vais mettre les deux filtres l'un à côté de l'autre et vous présenter un petit peu. Voilà, j'ai les deux filtres qui sont l'un à côté de l'autre. Et là, je descends et je vous montre un petit peu l'impact des deux filtres. Donc, à votre gauche, le 3 stop, à votre droite, le 5 stop. Et la différence entre les deux filtres, elle est vraiment flagrante à ce niveau-là. Même que ce soit que deux stops, on sent tout de suite les deux stops de différence d'exposition entre le 3 stop, le GND 3 stop et le GND 5 stop. Voilà un petit peu pour la présentation du GND. Alors comme je vous l'ai dit, l'utilisation principale des GND va être de manière à un petit peu atténuer les hautes lumières, alors que cette lumière soit dans le ciel ou qu'elle soit à vos pieds. Bien évidemment, si vous avez des hautes lumières qui viennent du sol pour venir un petit peu illuminer votre scène, bien le filtre, vous allez le mettre à l'envers, la tête en bas si on peut dire, et puis vous allez régler la densité en fonction de ce que vous voulez atténuer au maximum. Bien souvent, et dans 95% des cas, moi je me sers de mon GND, encore une fois, pour atténuer mes couchers de soleil, et le ciel de mes couchers de soleil, et pour un petit peu densifier tout ce qui est nuages, donc pour atténuer les hautes lumières dans le ciel. Voilà tout ce que nous pouvions dire un petit peu sur le GND, sur l'utilisation des GND.
comme je vous l'ai dit, là je monte progressivement en charge dans l'utilisation des filtres au sein de la photographie. Le ND est le plus simple d'utilisation, le JND se complique un petit peu, et vous allez voir que dans l'épisode 3, nous allons parler du reverse, et là le reverse va un petit peu être un petit peu un cran au-dessus, et il va nous apporter des choses différentes. Mais nous y reviendrons dans l'épisode 3. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile, encore une fois, qu'elle vous aura apporté quelques lumières. Si vous avez des questions sur la filtration, si vous avez des interrogations par rapport à l'utilisation de la filtration et des filtres, n'hésitez pas à me les demander, que ce soit en message privé, par mail ou en commentaire en bas de cette vidéo. Je vous remercie de laisser le petit pouce bleu qui va bien. Je vous invite, pour celles et ceux qui seraient intéressés par mon travail, à vous abonner. Et n'oubliez pas que les visioconférences sont ouvertes à tous. La première est gratuite par simple demande par mail. Je vous renvoie au site internet pour vous renseigner par rapport aux tarifs de ces visioconférences. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt !